à tous. Nous sommes la team Aperonia et cette année, on a gagné le concours Écotrophilia. Ce projet, il vient tout d'abord d'un projet interdisciplinaire dans le cadre de nos études de bio-ingénieur. Donc nous, de base, ce qu'on avait fait, c'est la valorisation de l'aronia, puisque l'université en plante, de cette base, nous avons créé l'aperonia, donc un produit alimentaire, et nos professeurs nous ont dit « Ah, il y a un concours qui serait intéressant pour vous, est-ce que vous voulez le faire ?» Pour valoriser l'aronia, on a eu différentes idées, mais au final, on a décidé de faire un combo apéritif, donc avec des crackers, et avec une tartinade à base d'aronia. On a remarqué que sur leur marché, très peu d'apéritifs sains étaient disponibles, et également parce qu'on aime bien l'idée conviviale derrière un apéritif. L'aronia, c'est une baie, une petite baie noire, qui ressemble assez fort à de la myrtille ou du cassis. Et en fait, elle est assez particulière parce qu'elle est très riche en un antioxydant assez particulier qui permet en fait de réduire votre cholestérol et donc de contribuer à votre bonne santé cardiovasculaire. L'aronia n'est pas seulement bon pour la santé, parce que sa culture ne nécessite pas de pesticides, peu d'entretien. Et donc, on pense vraiment que le développement d'une filière locale d'aronia en Belgique est totalement faisable. Cette aventure nous a apporté énormément. Donc tout d'abord, déjà sur nous-mêmes, déjà produire un produit de A à Z, on a une formation de bio-ingénieur et donc on n'a pas l'habitude de tout ce qui est communication, business. Cette aventure, ça a été aussi une aventure humaine parce que voilà, on a rencontré toutes les autres équipes, beaucoup de personnes du domaine agroalimentaire. Donc à travers cette expérience, on a vraiment remarqué qu'il y avait un début de changement de mentalité, que ce soit chez les étudiants, mais aussi surtout chez les géants du secteur alimentaire. Donc ça fait très plaisir à voir et c'est porteur d'espoir pour la suite. Tout s'arrête pas ici, c'est même le commencement en fait d'un autre concours. Ici on va représenter la Belgique dans le concours Écotrophilia Europe et donc vous pourrez nous voir en octobre à Cologne pour représenter la Belgique avec Aperonia.